député. La parole est à monsieur Stéphane Saint-André pour le groupe 2RDP. Vous avez la parole, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, Jean-Marc Ayrault l'a annoncé, la majorité ne s'opposera pas à la proposition du groupe UDI de création d'une commission d'enquête relative au fonctionnement de l'action du gouvernement et des services de l'État entre le 4 décembre 2012 et le 12 avril 2013 dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du gouvernement. Le groupe RRDP se félicite que cette prérogative parlementaire soit enfin efficiente. Quel changement par rapport à un passé récent où la droite s'opposait systématiquement aux propositions du groupe socialiste, radical et citoyen, notamment quand Mediapart a mené des investigations sur l'affaire de Karachi. La démocratie est enfin respectée. Ce changement n'est pas anecdotique. Il est bien la preuve que quelque chose a changé au plus haut sommet de l'État. Il est bien la preuve qu'enfin, toutes les institutions sont respectées et tous les contre-pouvoirs sont respectés. Dans cette affaire d'ailleurs, en 4 mois, la presse a pu mener ses investigations sans entrave, la justice a pu mettre en examen sans pression et un ministre de la République contraint à la démission, du jamais vu depuis 10 ans. Au demeurant, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas eu dysfonctionnement et sommes également persuadés, comme vous venez de le dire, que la rumeur nuit à la démocratie. Le gouvernement a pris les bonnes mesures et s'apprête à proposer des règles strictes qui, nous l'espérons, seront efficaces. Montesquieu disait dans l'esprit des lois, il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. En autorisant cette commission d'enquête, nous sommes fidèles à la séparation des pouvoirs et nous honorons le pouvoir législatif. Le groupe RRDP ne s'opposera donc pas à la proposition du groupe UDI. Merci, monsieur le député.